Bonsoir à tous. Bonsoir. On va vous présenter un Superman dans une super grotte avec des super poules. Donc c'est un mode qui a pour sujet l'eau volumétrique, c'est-à-dire de l'eau qui, pas comme dans Minecraft, n'est pas infinie, qui a un volume précis. Je vous montrer ça. C'est dans la grotte, c'est le banane. Allez. Il n'y avait pas une porte à ouvrir là. Ah si, la porte de la salle de la mort avec un engin qui sert à rien. Bah ouais, parce que ta vie ne sert à rien. Non, ah non, c'est ma vie. Bon. Oui, bah, le début servait à rien. Oui, c'est normal. Ouais. Vous comprendrez plus loin dans la vidéo pourquoi on a fait ce début. Mais, je peux avoir putain, un la montagne du fond, fond, il y a une forme de champignon. Énorme. Oui, Bref. effectivement, c'est très énorme. Donc, Oui, il y a un là, énorme champignon, par là. exemple, C'est une montagne. Romain. Fais gaffe, le creeper. Quoi? Ah! Donc là, par exemple, on a un bassin. Ici, qu'on met de l'eau dedans, elle va se répandre. On peut en rajouter, se répandre, s'égaliser. Rajouter, tout, tout, c'est trop bien. Même faire un trou là. Là, pouf, elle va couler. C'est génial. Sauf le bug de figure. Ah ouais? Ben. Non, mais c'est pas un bug. Hein. C'est ça qui est génial. Non, ça c'est pas un bug, ça c'est juste une réaction physique. Vu que c'est des cubes, vu que c'est des cubes d'eau, ça fait forcément ça. C'est normal. Ah, parce que l'eau coule, c'est normal, mais qu'il y a un bloc qui coule pas au milieu, c'est génial ça. Bref. Bon, pour vous montrer quelque chose d'un peu plus impressionnant quand même, parce que ça c'est pas très impressionnant, on a fait une structure beaucoup plus grande, beaucoup plus géniale, bien Une évidemment. belle machine. C'est Super quoi déjà le nom machine, de la machine? on va l'appeler Mega Water Machine of the Day. C'est trop bien, c'est énorme, c'est un nom très original. En fait, c'est une. C'est une nouvelle pondération optimale. Pondération optimale. C'est un mot Ça me qui va vous... mieux. Oui, voilà. Bon, je te laisse activer le levier numéro 1. Alors, j'active. Pourquoi t'es écrit en anglais? C'est Tu pas dis dans le écrit en français, tu anglais. fais des... Si, il écrit first, Non. second, third. Ouais, mais c'est pas de l'anglais. Ah ah. Voilà, et là l'eau coule, c'est magnifique. On va pouvoir voir que ça va se remplir. Pas très vite, mais quand même. Il y a même des super chutes d'eau qui clignotent. C'est génial. Ouais, mais ça c'est l'effet psychotech. Ça c'est autre chose, c'est parce qu'on voit à travers une vitre. Et du coup ça fait des réflexions par rapport au soleil. Et vous entendez pas, mais il y a de la discodence derrière. C'est pour Mais ça, il n'y a sort pas de de soleil. stroboscope. Non, donc en fait mon explication était complètement débile. Bref. Oui, mais là l'eau se remplit, et ça c'est génial. Et C'est le but. les réservoirs de ces côtés se vident. C'est encore plus génial. Par contre, les océans déjà générés sont pas en cette eau volumétrique. C'est-à-dire qu'ils sont comme avant, en fait. On a juste rajouté un nouveau truc d'eau. Celui d'avant, c'est une on nouvelle pas eau encore. quoi. C'est l'eau 2.0. Parfait. Et active le deuxième levier. Activé, Gide. Oh, c'est génial! C'est génial! L'eau L'eau coule. coule! Mais on était synchronisé. Et là, par contre, Presque. elle coule beaucoup moins vite, parce qu'elle coule que sur un de large. Il n'y a qu'un seul canal. Eh oui. Eh oui. Mais qu'est-ce que c'est réaliste? Mais le problème, c'est que là, ça va déborder au bout d'un moment. Non. Ah non. Bah, ça devrait, mais. Non.
Cette toile-là, elle va pas Ouais, mais pouvoir, non. ça, enfin, ça devrait en principe, mais pas comme le Il mode de toile. faut une nouvelle pondération de la biométrie. Merde, c'est quoi, je l'ai dit tout à l'heure? Et juste pour info, quand il fait une phrase avec plus de 3 mots, c'est forcément une connerie. Non, mais je t'avais dit le terme tout à l'heure, je m'en souviens plus déjà. Voilà, la pression. Ça, c'est pour la pression, il n'y a pas de Ah pression encore. No pressure. On n'est pas des gens stressés, nous, on n'a pas de pression, donc ça va. ouais, mais c'est mieux comme ça. Donc là, l'eau descend à l'intérieur, monte à l'extérieur, et c'est génial. C'est tellement génial que c'est temps d'appuyer sur le troisième levier, qui va faire quelque chose de Actuated. tellement différent, puis en fait, eh bien, c'est pareil, sauf qu'elle coule à plat. Ouais, c'est une différence identique. Eh oui, c'est une révolution. Une pondération optimale, encore une fois. Encore? Et ça même fait des trous en Mais plein milieu du canal. C'est génial. pourquoi ça coule pas aux trois endroits? Aux 3 endroits. Ça coule juste sur le premier bloc. Eh bien, c'est normal. Ah, C'est parce que parce ça a que... déjà vidé les côtés. Eh oui. Eh oui, oui. Ah Eh oui, je vois oui. ça. Eh oui. Il n'y a plus d'eau. Vidé, mais en fait, ça a vidé que deux blocs. Parce qu'en fait, elle était flemmarde, elle n'a pas voulu aller plus loin. Ouais. C'est un peu buggé, hein, mais c'est En même normal temps, en même temps. si c'était pas bugué, ça serait parfait. Et si c'est parfait, on s'embête, on s'ennuie au bout d'un moment. C'est bien les bugs. On Mais oui, découvre de nouvelles choses. c'est à ça que ça sert les insectes, voyons. Donc en fait, ce sont des bugs pondérales. Bugs pondérales ou pondéraux? Je sais pas si c'est comme les. Pondératif. Eh Ah oui. ouais, bugs Eh pondératifs. bien, je crois qu'on a tout montré, hein. Non, t'as pas montré ça là. De Les deux quoi? petits bacs. Ah non, 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 il faut pas montrer. Parce que le bac de là-bas, il montre un bug. Moi, je l'ai montré. Oh non. Waterbug of the Dead. Là, on peut même ouvrir, ça va couler, c'est génial. Et ça va tout inonder. Mais c'est énorme. Eh, mais c'est énorme, c'est qui a codé ce mode? Il est trop fort! Wow. Bon, eh ben, je crois que c'est fini, quand même. Bonsoir. Mais il y a un con, il a trouvé le truc. Oh. Qui a trouvé qui? Personne. Oh, non, non.